Yo les gars, on se trouve sur Macha édition. Voilà quoi, sur la suite. Peut-être bah, la fin quoi, bientôt la fin. Bah c'est la fin. De mode histoire, pas du mode livre. Bouge pas, Tom. Salut, Tom. Sam. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Toi et Polly, vous m'avez mis dans une position merdique. Je sais, Sam. J'en suis vraiment désolé, mais faut que je me tire de la ville. Tu vas m'aider ou pas? Et voilà, ça recommence. Tu me demandes de choisir entre mes potes et la famille. Fils de pute. C'est ça que tu cherchais à l'appartement de Polly. C'est ta part. C'est plus que généreux. T'as tué Polly? Non. Ce compte Polly s'est fait tuer. Et ça a vraiment l'air de te foutre en l'air. Je suis de bonne humeur, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Les choses se présentent bien, comme elles donnent. Je prends du galon. Et en plus, je viens de trouver un sac plein de fric. Le Don est au courant pour Franck. Pour la pute aussi. La pute. La fille pour qui t'avais un faible. C'est toi qui l'as laissé vivre. Je dois te dire que je suis désolé pour tout ça. Mais dans notre business, il y a des règles. Gros fils de pute. C'est vraiment dommage. Fils de pute. Don Salieri. Il t'aimait beaucoup. Fils de pute. On va beaucoup chier, lui et moi, tes funérailles. En obéissant au Don, tu crois que t'es loyal. Mais tu l'es pas. Toujours un ennemi dans auprès de nous. Mais t'aurais vécu bien plus longtemps, Tom, si t'avais pensé à regarder derrière toi de temps en temps. Adieu. Le faites pas souffrir, les gars. C'est mon pote. On trahit pas mon sa famille, fils de pute. Et je vais te buter. Et je te laisserai pas le choix entre le cœur et la tête. Je viserai ta grosse tête. Moi, c'est la tête ou rien. C'est la règle d'or. Espèce de
Ah ouais, je suis un taxi, enfoiré. Parents, vous avez pas honte de trahir votre propre famille, votre propre frère. Y a pas de bis, y a pas de frère. T'as dit qu'il y a pas d'amitié dans ce business de merde, c'est vrai. Ça les gars. Et prête pas les balles. Bande de bâtards. Trahir son propre pote. Et après ça se dit frère. Putain de merde, je vous jure. Que des salopes dans ce business. Je t'ai pris une balle. Je suis désolé mon gars. Vous voulez pas que ça en arrivait là. On aurait partagé le fric en trois, tu sais. Mais bon. T'as choisi le mauvais camp, mon gars. Le camp de ta famille. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de viser dans le jeu. Ah mais non, mais c'est un bug. Oh, mourir par un bug, c'est grave, hein, les gars. Putain, vous avez bien vu, je l'ai balancé. Il s'est pris le mur, c'est vraiment de la merde. Putain, le jeu, il est bien, mais putain, quand il y a des bugs comme ça, c'est de la merde. Putain, s'il vous plaît. Je sais que je dois faire un jeu, mais bon. En plus, c'est vrai qu'il coûte pas cher. Pourquoi les mafias coûtent pas cher? C'est vrai que les mafias coûtent même pas 20 balles. Même pas 20 euros, un mafia. Pourtant c'est pas des jeux. Oh c'est des bons jeux. Ah mon roi non. Où qu'il est ton pote. C'est donc ça votre famille. Putain. Oh! Ah!
en mer, connard. Fais la même chose pour moi, Tom. Qu'est-ce que je raconte? Je sais que t'as fait la même chose. Faut toujours lui mettre des balles dans le corps. Ça sert à rien de mettre des balles, hein, mais c'est un malin plaisir que je me prends. Alors, c'est tout ce que t'as ? Non, c'est pas encore fini, là. Oh putain, le bâtard là-bas, là. Putain! Salieri, il nous a tous roulés! Toi peut-être! Mais moi, je sais où sont mes intérêts! T'inquiète. Et c'est pas une insulte de tuer son propre frère. T'as du bol, Tom! Mais ce qui est bien avec le trafic de drogue, c'est qu'on peut se payer plein de types! Butez-le, les gars! C'est quoi ça? Ah, il fait mal, Calancier. Ah ouais, mais ils sont partout tellement qu'il est touché. Je peux te suivre à 10 km. Ça fait des années que je t'observe. Mais à présent, il n'y a qu'une seule issue. Et c'est moi qui vais te la donner. Tu peux te cacher, va. Salieri te retrouvera. Ah là là. Cette fois, il n'y aura pas de docteur pour toi, ça. Ah. Si tu me tues maintenant, le Don te lâchera pas. Jusqu'à la fin de ta putain de vie. Mais si tu me laisses vivre, je dirai à Salieri que t'es mort. Tu pourras disparaître. Comme Frank. Seulement, tu feras pas comme lui. Tu resteras planqué. D'accord? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Une course de chien. Il se planquait en Europe. Pour l'Europe, c'est la France, quoi. Oui, t'as dit. Il a commencé à parier dans des courses de livriers. Il s'est fait repérer par un ami de la famille. Et donc, Salieri, il a envoyé une équipe. Et sa famille. Putain.
a toujours cette petite voix dans ta tête. Une voix qui ressemble à celle de ta fille ou de Sarah. Et qui te dit de pas appuyer sur la détente. Va pas là, je te conseille, c'est un terminé. Si tu parles, enfoiré, moi je l'entends cette petite voix. On se sera bien marré quand même. Tu te souviens de la voix? Moi, toi, et Pauline. Une balle dans le cœur. Thank you.